Action. Bonjour à tous. Mardi 31 mars. Demain, les grosses blagues arrivent. Mais aujourd'hui, remix de Kelly Unwood. Unwood Girl, qu'on va remixer à faire à la maison. Donc vous avez 5 tours pour le temps à faire avec 400 mètres de run. Si vous n'avez pas la possibilité de faire du run sur cette distance-là, vous pouvez adapter et faire 40 shuttle run de 10 mètres. Et si encore, vous n'avez pas la possibilité de sortir de chez vous ou autre, ou si jamais il pleut, je ne sais pas encore la météo, je ne connais pas, on verra. Vous pouvez courir sur place, faire des montées de genoux, tirer le pied sous vos fesses de manière assez intense et faire 2 minutes de jog sur place, de course sur place. Donc sur ce run, pensez aujourd'hui à bien tirer le pied sous votre fesse, à bien vous servir de l'ischio et à activer ce muscle-là lors du run. Le deuxième exo, on est sur 20 thrusters avec une dumbbell ou un objet. Concentrez-vous sur cet exercice à faire une extension très rapide à la fin du squat pour jeter votre objet, que ce soit la dumbbell ou autre. Et ensuite, on a 30 hops au-dessus de la dumbbell ou au-dessus de l'objet. Et là aussi, pensez à marquer votre extension de jambe et à le faire de manière rapide. Donc, sautez bien par-dessus l'objet le plus vite possible et en tendant à chaque fois bien vos jambes. Alors, je crois que je me suis trompé, c'était bien 30 thrusters et pas 20. 400 mètres, 30-30. Vous l'avez noté sur la vidéo à côté. On passe au stimulus attendu pour aujourd'hui. Donc, c'est un WOD qui va vous prendre entre 20 et 25 minutes. Aujourd'hui, l'idée, ce qu'on va vous demander, c'est de prendre vos temps au tour, vos split time. Donc en gros, à chaque fois que vous faites un tour, ben, notez le temps que vous avez mis, soit sur votre portable, sur une feuille, sur quelque chose, peu importe. Mais notez bien le temps de chaque tour. On regardera à la fin à combien vous avez tourné à peu près, si vous avez été régulier ou pas. Sachant que le but, c'est de faire les 5 tours dans le même temps environ. Le pace va surtout se passer au niveau du run, donc partez sur l'idée d'un WOD entre 20 et 25 minutes, partez pas trop vite sur le run, c'est un rythme modéré aujourd'hui. Le poids de votre objet ou de la dumbbell au thruster doit vous permettre de faire les 30 répétitions en une à deux fois, donc les 30 d'affilée, ou 15-15 ou 20 et 10. Et enfin, le dernier exercice, les hops, doivent se faire unbroken, maintenez un rythme assez rapide. Votre seuil cardio, ce n'est pas un exercice qui va trop vous gêner, mais n'y perdez pas de temps non plus. That's all I need, all I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border. Like the air I breathe, I let you in. Keep me warm underneath my skin. Ça c'est tout un bon WOD. Avec ce remix de Kelly aujourd'hui et on se retrouve demain. Bonjour à tous. Mardi, je sais pas combien. 31. 27, 31. Non, c'était le lundi 30. Ah, c'est voilà. Janvier, février, mars, avril, mai. Mars 30, non, premier du coup. Mardi premier. Non, mercredi premier, oui. Ah ouais, non, bah, 31 du coup. Julie, elle va s'amuser. C'est clair, je suis vraiment des pécores, ces deux-là. Julie, n'écoute pas ce qu'on dit. On recommence. Good. Face. Je veux le face ou le profil? Face, là-bas.